Alors, coucou, vous allez bien? Désolée, hein, j'ai passé toute la journée en tournage. Je viens à peine de rentrer. J'ai même pas eu le temps de me changer. Je vais annoncer aux gens que je suis là. Je vais connecter la télé. Un canal, on va d'abord montrer. Ok. Coucou, vous allez bien? Désolée, j'ai eu une dure journée. Je viens à peine d'arriver chez moi. J'ai même pas eu le temps de me changer. Vous allez bien? Bon, on connecte comme toujours. Vous connaissez déjà My Canal. Toutes les personnes qui n'ont pas pu voir l'émission, je vais vous montrer comment faire. Donc là, c'est mon My Canal. Vous pouvez le voir. Il y a ma tante connectée dessus. Donc je clique sur moi parce que j'ai mon profil à moi. C'est comme Netflix. Et ensuite, je pars sur la barre de recherche. Je tape Bachelor. Voilà. Vous avez toutes les saisons disponibles. Et là, je pars à l'épisode d'hier. Je clique. Vous voyez, quand je clique, ça prend du temps. Et là, j'appuie juste ici en haut. Il y a un petit truc qui montre télé. Et je connecte à ma télé. Voilà. C'est tout. Ça va se connecter là dans quelques minutes. Ça me dérange que je suis le même. Bien sûr. Quand je peux rien changer. C'est bon. Donc. C'est la peste, là. Je vais baisser le volume parce qu'il y a énormément de volume. Mais vous pouvez voir. Pour ceux qui n'ont pas vu, bien sûr. Alors, on commence. La bonne humeur, s'il vous plaît, même si j'ai une dure journée. Je vais vous montrer ça. Vous allez bien, j'espère. Je baisse encore le volume. Vous allez bien, j'espère. Est-ce que vous avez aimé l'épisode d'hier, comme moi? Vous avez aimé? Vous avez été gêné par quelque chose? Dites-moi. Vous allez bien, j'espère. Trop belle, donc un glow. Merci. Je peux me vanter. En tout cas, vous connaissez déjà. Pour toutes les personnes qui veulent la référence de mon teint, de ma perruque et tout, c'est sur mes comptes. Ici, on parle du Bachelor saison 2 et des Bachelorettes. Donc là, on va voir qui est là. Les filles, s'il vous plaît, envoyez vos demandes. J'ai vu Angélique là. Angélique, s'il te plaît, envoie ta demande. On finit avec toi parce que la semaine dernière, on n'a pas pu t'avoir. Donc, j'attends ta demande, ma chérie. Vous allez bien? Vous avez aimé? Salut, ça va? On finit avec Angélique ou pas? Angélique, s'il te plaît, le peuple réclame. Réclame ta présence. Je suis un peu déçue par le départ de Linda, honnêtement, moi aussi, mais elle était vraiment battue, Linda. J'ai pas aimé. Pourquoi tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu attendais? Voir que tu n'as pas vu. Faut me dire, c'est juste là derrière moi. Ouais. Je vois que vous aimez beaucoup Linda. Elle vous aime aussi. Elle sera là ce soir. Donc, on va regarder si Angélique est là. Parce qu'on doit finir avec Angélique. Ok, elle est là, Angélique. Elle est là. Comment vous me trouvez? S'il vous plaît, dites-moi. Alors, Angélique. Coucou, Angélique. Coucou. Comment tu vas? Super. Je vais bien, merci. On n'a pas pu t'avoir la semaine dernière à cause des problèmes techniques, on va dire ça comme ça. Et tu vas bien? Je vais très très bien. D'accord. Et pourquoi tu as décidé de participer à cette émission-là? Cette émission dont les gens en parlent un peu comme si c'était un grammaire. Grammaire, quoi. Le bachelor. Pourquoi?
Alors, j'ai décidé tout simplement de participer à cette émission parce que voilà, j'étais dans le besoin, j'avais besoin de me sentir aimée, j'avais besoin de me projeter avec quelqu'un et c'était la meilleure opportunité surtout de rencontrer quelqu'un sous d'autres cieux. D'accord. Et c'était ta première opportunité, c'était ta première télé? Oui, c'était ma toute première télé-réalité. D'accord. Et qu'est-ce que tu as ressenti lorsqu'on te dit, bah ouais, tu vas participer à cette émission-là? Naturellement, il y avait un mélange d'excitation, un mélange de joie, tout ça réuni. Et après aussi, à un moment donné, tu n'en crois pas. Quand on annonce comme ça, tu n'es pas souvent certain et tu te demandes, tu as des appréhensions, est-ce que ça va, tu vas bien représenter le pays, est-ce que tu vas impacter les gens? Il y a un ensemble de choses, des appréhensions surtout négatives. Est-ce que tu vas bien faire? Très, voilà, j'étais très pensive, je pensais beaucoup plus à ça. D'accord. Comment j'allais me comporter? D'accord. Et qu'est-ce que ta famille dit du fait que tu ailles participer à cette émission-là? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? La vérité, c'est que dans nos familles, ou bien que ce soit dans la vie courante, le plus souvent, il y a des gens qui nous accompagnent toujours dans nos choix. Ouais. Et d'autres, voilà, qui sont toujours en train de voir que le mauvais côté. Ouais. Donc, pour le cas de ma mère, c'était très gênant, très intrusif. Pour elle, elle supportait mal le fait que sa fille s'expose de la sorte. Et je ne vais pas te mentir, le fait d'avoir des enfants, on se dit souvent qu'on doit refléter une certaine personnalité. En fait, qu'est-ce qu'on veut renvoyer à l'enfant quand on l'éduque? Et voilà. Mère était beaucoup plus axée sur ce côté-là, penchée sur cette façon de voir les choses. Donc, elle était un peu bloquée. Ouais. Il a fallu que j'emploie des stratégies, que j'essaie de lui parler calmement et que j'essaie aussi de lui faire comprendre que le monde avance et on ne Ouais, va en pas fait, rester derrière. les choses changent. Tout à Ouais. fait. Et qu'est-ce que Et toi, tu as... ma Ok. tante, ah, excuse-moi, Vas-y, ma ta tante. tante à qui je fais un coucou, maman Rose, elle m'a beaucoup soutenue. Elle, au moins, elle comprenait vraiment la chose. Déjà qu'elle était scotchée sur l'émission de l'an passé. Donc, du coup, elle avait compris le truc et elle m'accompagnait. Et ta famille, en fait, qu'est-ce que je raconte? Tes enfants, qu'est-ce que toi tu ressens? Tu te dis, qu'est-ce que mes enfants vont penser quelques années quand ils vont voir ça? Je sais pas, tu te poses pas la question sur les enfants, tu vas penser à ça? Bien sûr que je me suis projetée et je ne regrette pas parce que pour le moment, ils n'en savent pas grand-chose. Je D'accord. n'ai pas voulu Ils ont quel les âge? Ils ont quel âge? 9 et 6 ans. Tu as des grands enfants, hein? Je n'ai D'accord. pas voulu brusquer sur leur mental, leur compréhension. Je n'ai fait que leur dire ce qu'ils voulaient entendre. Maman va passer à une télé-réalité. Point final. Ouais. Bon. Pour les années d'après, je serai déjà assez vieille, peut-être, quand ils sauront la vérité. Eux, ils seront déjà grands. Donc voilà, ils vont simplement comprendre que maman elle avait le droit de se chercher. Ouais. Ils vont comprendre ça comme ça. Ouais. Je suis leur mère, ils vont me faire quoi? Ils vont me dire quoi? Et après, ce sera plus pareil. Avec les années, les choses, les mentalités vont un peu changer encore et tout. Et quand tu descends de la voiture et tu vois Clive, qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? Qu'est-ce que tu penses de lui? Ton ressenti total? Alors, je me projette, je me revois ce fameux jour. Oh là là, déjà quand je descendais du véhicule, j'étais toute tremblante, vraiment toute tremblante. Et très, très enthousiaste, parce que c'était un très bel homme en Donc, face de moi. ce que tu vois, le produit que tu vois, ça te plaît. Ça me revient à te poser cette question aussi. C'est quoi ton type d'homme? Le package déjà m'intéressait. Ouais.
En fait, je ne veux pas faire, je veux pas commettre cette erreur de me faire une fixation sur un homme d'un certain gabarit, d'un certain. Je veux pas me façonner un homme dans la tête. Donc, En réalité, tu n'as pas un type. Attends, tu n'as pas un type d'homme physiquement, parce que moi j'ai un type d'homme physiquement et je pense déjà, que oui. normalement il y a un type d'homme qui t'attire pas, sauf si tout le monde t'attire. Justement, j'en venais. Ok. J'avais envie d'expliquer ceci. Il fait partie des personnes. Il entre dans la Les critères catégorie physiques. des hommes que je recherche, que ce soit le physique, parce que c'est d'abord le physique qui intéresse, Voilà, après le comportement. exactement. Allô? 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 Angélique? Je pense qu'Angélique a un tout petit problème. Je pense que ça va se régler aussitôt. Allô, Angélique? Alors, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'hier. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Excusez-moi la connexion de Angélique. C'est comme ça arrive. Je pense qu'elle va régler. Alors, vous avez aimé quoi de l'épisode d'hier? Vous avez aimé quoi? C'est vrai qu'on a beaucoup de questions à Angélique. Hein. J'ai énormément de questions à poser à Angélique. Comment ça peut couper? Ça coupe comment? Petite le bachelor passe derrière pour toutes les personnes qui n'ont pas pu voir ça hier. Vous pouvez voir sur MyCanal, vous téléchargez juste l'application dans votre téléphone et vous inscrivez normalement avec un abonnement d'une personne que vous connaissez si vous êtes allé à l'étranger. Et si vous êtes en Afrique, vous pouvez tout simplement vous connecter avec vos numéros d'abonnement Canal Plus et retransmettre sur votre télévision. Donc c'est ça. Et là, posez-moi les questions. Je sais pas. On va voir si les autres filles sont là. Parce que Angélique a eu un problème. Mais voilà. Donc moi hier, par exemple hier, j'ai un peu été gênée parce que je pense que Linda, son départ n'était pas mérité, étant donné que elle n'a pas eu vraiment un date. Son date a été gâché par Zénab et Samira. Mais elle n'a pas eu son moment, quoi. Les autres ont eu les dettes. Elle a gagné un date. C'est un peu. C'était moi. J'allais très mal me fâcher. J'allais très mal me fâcher là-bas. On allait se noyer dans la piscine là. Merci. On allait se noyer dans la piscine là. Moi, je n'allais pas sortir de la piscine. Je me connais. Je n'allais pas sortir de la piscine là. Elles allaient sortir de la piscine et me laisser là-bas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux pas gagner un date. Mais vous venez gâter mon date. Il fallait aussi gagner. Mais gâter tout, on allait tout perdre. On allait aller dormir. J'allais dire, bachelor, lève-toi pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous voulez que je parle de quoi? Vous voulez ma réaction face à quoi dans l'émission que vous n'avez pas appréciée? Vous me dites, je vais vous dire, je ne vais pas faire semblant. Moi, je vous jure, quoi, je gagne mon date comme ça, vous venez faire quoi dans l'eau? On allait se noyer. On allait se noyer. Vous venez faire quoi? Mais vous restez de votre côté, je suis de mon côté, je vous montre comment je love. On va lover dans l'eau là. Vous-même, vous allez fuir l'eau. Est-ce que c'est pas un débat? Pour moi, si j'avais été à la place de Linda, je suis pas Linda, ça, nous sommes différentes et c'est ça que je dis toujours, les gens sont différents. Mais si moi j'avais été à la place de Linda, les filles allaient sortir de l'eau. C'est même là que j'allais commencer à lover. J'allais lover façon. Je mets la main ici, ça fait un peu mal. Masse un peu ici. Chérie, masse ici. Chérie, porte-moi sur ton dos. Chérie, nage. Je ne sais pas nager, chérie, je suis en train de me noyer. On allait faire ça là-bas dans l'eau, là. Elles allaient fuir l'eau. Elles allaient
fuir l'eau. Angélique est de retour. Elles allaient fuir l'eau. Moi, je pars. Je ne pars pas. Il ne faut jamais montrer à l'adversaire qu'il a un déçu sur vous. Il faut toujours rester focus sur l'objectif. L'objectif, là, c'est le bachelor. Je pars. Je sors de l'eau. Pourquoi? Vous m'avez trouvé dans l'eau. C'est mon dé, tout c'est votre dé. On a dit venez nager. On n'a pas dit que venez nager avec Stéphanelle et le bachelor. On allait se noyer dans l'eau, là, lui et moi. On allait nager. Accepte la demande, Angélique. On allait se noyer. Je pars. Hey, chérie. Il y a les téléspectateurs là, regarde-les. Allons-y, levons. C'est quoi? C'est une compétition, mon frère. Tu pars où? Tu pars où? Il faut déstabiliser l'adversaire. Même l'adversaire aura peur de toi. La prochaine fois, on va dire que venez encore gâter un dé. Vous allez dire non. Gâter quoi? Vous allez gâter comment? On va dire non, avec celle-là, on ne peut pas gâter. On va rester dans la chambre la prochaine fois. Toi, tu pars comment, Linda? Tu pars comment? C'est pas parti. Oh, si je pense que j'étais restée, ma Linda, c'est que les filles là, elles sont ça, elles disent yes, tu restes dans l'eau là, vous allez vous noyer. Linda est là. On va commencer par Linda. Voilà, Linda, on parlait de toi. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas, Linda? Bien, et toi, Stéphanelle? Je vais très bien. Alors, Linda, qu'est-ce qui te pousse à participer au bachelor? Bonsoir tout le monde. Bah, je vais prendre un moment pour saluer tout le monde. Vas-y. Bonsoir, j'espère que tu vas bien, Stéphanelle. Je vais bien, ma chérie, et toi? Ça va. Ce qui me pousse à participer au bachelor, d'abord, c'est parce que ça faisait un moment que j'étais célibataire et je me rappelle même d'une discussion que j'avais eue avec mes on était tous ensemble avec mes petites sœurs quand on se moquait du célibat de chacune et j'ai reçu le message de la production peut-être 30 minutes après. Donc, je me demandais si c'était un signe ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais on m'a dit que la condition était que je sois célibataire et j'étais parfaitement célibataire en ce moment. Donc, j'ai dit pourquoi pas tester, essayer l'aventure, essayer de nouvelles, de quelque chose d'intéressant quand même, quoi, voilà, essayer. Tu peux nous en dire plus sur toi, qui est Linda? Je suis Linda Malou, je suis togolaise, esthéticienne et j'ai mon studio d'esthétique. Je suis là, actuellement j'ai fermé, je suis en train de rouvrir un truc un peu plus grand. Donc c'est en cours et puis ben voilà, c'est ça. D'accord. Et comment ont réagi tes proches quand tu décides de faire cette émission-là? Tout le monde n'était pas d'accord, à vrai dire. Ouais. Pas tout le monde qui était d'accord. Mais la personne qui me donne la permission, c'est ma mère. C'est ce qu'elle dit que je suis. Donc, c'est ma mère. Et à un moment, je lui ai expliqué que, en plus de trouver l'amour, c'est une expérience que j'ai envie. J'ai vraiment envie de connaître, d'aller et d'essayer. Rester dans une maison avec des filles, c'est pas évident. Donc j'aimerais essayer quand même dans la vie de tous les jours, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai beaucoup plus de connaissances. Donc essayer cette aventure, c'est quelque chose qui peut me rapporter. En tout cas, ça m'a beaucoup appris. Ouais, et c'était ta première expérience Oui. télé. Ma première, toute première expérience. Je suis même pas à l'aise devant la caméra. Ce que je suis en train d'écrire, Ouais. c'est pour moi. Donc, oui, les premiers jours, ça n'a pas été facile, mais après, on s'adapte rapidement. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens quand on t'annonce que oui, effectivement, tu vas participer à cette émission-là? Ben, quand on m'annonce que je vais participer, j'ai dit. Mais ça a pris trop de temps. Pourquoi pas la première saison alors? Pourquoi vous avez traîné autant? Ouais. Une petite blague, mais j'étais très contente. Après,
entre être accepté et participer, il y a un moment, un petit moment de doute là. On se demande, est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour moi? Est-ce que la télé, tout Ouais, le ça monde c'est va. vrai. Ça Ça, c'est vrai. je pense que tout le monde a eu ce moment. Ouais. Et je pense que 2 jours, j'ai eu 2 jours comme ça à douter. Je réfléchissais beaucoup, mais j'étais déjà à fond, j'étais déjà bachelor à fond. Donc, de toute façon, c'était les agathés, comme on va dire. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu descends de la voiture? Quand je descends de la voiture, quand je vois déjà Clavie, sincèrement, mon réflexe a été de dire, mais je fais quoi? Pourquoi? Mais franchement, je me suis approchée de Clive, je me suis approchée et il m'a tout de suite, il m'a mis très à l'aise. Donc, c'est passé, franchement. J'étais C'est ton contente. style d'homme? C'est quoi ton type d'homme? Moi, j'ai pas de type d'homme physiquement parlant. J'ai pas, je suis plutôt dans les détails, dans l'affection que on puisse me donner. Genre, attends, mais il y a souvent à distance le physique aussi. C'est pas tout le monde qui va t'approcher pour que tu saches ce qu'il peut t'apporter, tu vois. Il y a souvent, tu vas dire, ah, peut-être quand il sourit comme ça, ou bien si tu n'as pas dit, peut-être c'est à cause du sourire ou du vestimentaire, je sais pas. Même peut-être ton parfum peut même m'attirer. Tu comprends ce que je veux Tu vas dire? y le parfum de loin. Non, pas de loin, mais genre quand tu veux draguer une fille, je sais que tu t'approches quand même. Ça peut me donner l'envie de me retourner pour te parler, quoi, tu vois. C'est vraiment dans les détails pour moi. C'est pas physiquement dire ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai pas envie d'avoir un courtois dans ma vie ou quelqu'un qui est super court dans ma vie. J'ai toujours besoin. Bon, pour seulement se rassurer, il faut quelqu'un de assez imposant. Mais Ok. Clive, il est 2 ou 3 fois plus imposant que ce que je connais. Et c'est ton style. Et il t'attirait, tu t'es senti attiré par lui, J'ai tu l'as aimé trouvé son beau. sourire. J'ai beaucoup aimé son sourire. Il sentait super bon. Et il m'a rassuré. Il m'a rassuré quand je suis arrivée. Il m'a rassuré. Et puis le stress est parti Ouais. directement. Et quand tu croises des filles, qu'est-ce que tu penses des filles la première soirée? Tu te dis quoi? Je me dis quoi? De toute façon, je me suis dit, il ne faut pas se faire mâcher sur la tête. Il ne faut pas Ouais, jamais. laisser une le faire, c'est laisser tout le monde le faire. Je ne vais Ouais. pas, je vais pas me laisser faire du tout. Mais à part ça, positif, j'ai parlé avec toutes les filles le premier jour. Moi, j'ai aucun Et problème. après, tu des 20, tu es la première à recevoir la rose et en plus la rose coup de cœur le premier soir. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que je suis la plus belle ou est-ce que je suis sa préférée? Qu'est-ce que tu te dis? Honnêtement parlant. Et je me rappelle que je disais aux filles d'aller parler au bachelor, mais vu le vent qu'il a donné à mon ami, tout le monde avait peur, tu vois. Et tout le monde me disait, mais dis aux gens de partir, mais pourquoi tu ne vas pas? J'ai dit, mais j'ai pas envie de me prendre le vent, mais allez-y quand même, tu vois, un peu comme ça. Mais quand il est venu me chercher et quand je lui ai remis le cadeau pour commencer, son visage, j'ai vu qu'il était tellement choqué. Il ne s'attendait pas du tout à ce que je pense à sa mère ou quoi que ce soit. Et dès lors, je me suis dit que j'ai peut-être une chance d'avoir une rose, juste une rose. Et puis après, lors de notre tête à tête, il m'a dit que ben, je veux te prouver, comme tu veux un homme concentré, je veux te prouver que je suis un homme concentré. Parce qu'avant ça, on a parlé, il y a des séquences qui ne sont pas tout le temps à la télé, mais on a parlé un peu de ce que je recherche, lui aussi, vis-à-vis de l'âge et tout ça. Et que ben, ça matchait vraiment bien, tu vois. Et donc, quand il me donne la rose coup de cœur, j'étais très contente. Je ne m'attendais pas du tout. Mais je sais que j'ai tapé dans le mille quand j'ai choisi le cadeau pour la maman. Je sais que Voilà, personne. je voulais en venir dessus. Je me dis, tu n'as pas regretté de dire que tu n'as jamais connu le mec, tu peux offrir un cadeau à sa mère. Est-ce que tu. Là,
Maintenant, tu as des regrets de l'avoir fait ou pas du tout? Alors là, pas du tout. Quand même, quand il va voir sa maman habillée dans le bain, je pense qu'il va se rappeler de moi. Ça ne me... Enfin, c'est juste un cadeau. C'est le minimum que je puisse donner à quelqu'un que j'ai envie de rencontrer ou plus connaître, quoi. Moi, pour Ouais. moi, bon, peut-être chez nous, au Togo, c'est un peu plus... On est un peu plus centré sur la belle-mère, je ne sais pas. Mais c'est dans ma conception des choses, c'est dans ma manière de voir les choses. Donc c'est Ouais. la maman avant tout le monde, avant même l'homme au fait, Ça, pour c'est moi. clair. Oui, les mamans, c'est Voilà. très important. Ce sont elles qui portent la vie. Donc, il n'y a pas deux personnes qui portent la vie. Exactement. Et d'accord. Et quel est ton meilleur moment de l'émission? Je pense que mon meilleur moment a été quand j'ai reçu la rose coup de cœur. Je pense que ça reste quand même un moment fort dans ma... Ça reste quand même un des souvenirs que je garde, que je vais garder de toute façon. La rose, Oui, c'est la tu rose. fais ça? Oui, Ouais. je pense que c'est tout le truc, venir me chercher, parler avec moi Ouais. et m'envoyer la C'est te rose. sentir vraiment, te donner une place spéciale, quoi. Te mettre à l'honneur devant toutes les autres filles. Et ça, vraiment, Exactement. c'est très beau. Oui, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que tu penses du fait que tu as toujours à te battre pour avoir un date quand l'aventure commence? Tout le temps, vous êtes dans des batailles pour avoir des dates. Qu'est-ce que toi tu ressens à ce moment-là? Bataille, ok, mais bataille tout le temps avec la sueur, là, ça fatiguait au bout d'un moment. C'est que il fallait tout le temps être dans le physique pour pouvoir avoir un petit moment avec le monsieur. Je sais que, bah, vu sa forme et tout ça, je sais que c'est quelqu'un qui va aimer mettre les gens à l'épreuve, mais pas autant. Mais Tous les jours, après, nous sommes des princesses, donc et c'est quand pas comme si même, vous. oh là, C'est pas un truc de militaire. oh là, C'est pas un concours de militaire, quand non, mais je sais pas, mais c'était trop d'efforts physiques, je vous assure. Je vous dis pas le soleil, comment Ouais, c'était, le soleil, ça, en cette période-là, c'est vraiment chaud à Abidjan. c'était quelque chose, Ouais. c'était quand même quelque chose. Mais voilà, tu apprends que tu peux faire plus que ce que tu sais que tu peux faire. Tu comprends ce Absolument. que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu me frappes le bachelor? C'est quoi? Au golf. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Moi, j'ai pour bien. Je suis celui qui l'a voulu faire, genre, oh, je veux prendre ma revanche, genre, Il genre, était là. choqué. On a repris les balles et les balles et les balles. Non, Linda, tu ne veux pas gagner. Il dit, mais je te gagne. Depuis, je ne veux que te gagner. Tu veux quoi encore? Je fais que gagner. Me laisse tomber. Oh, on fait encore, on fait encore. Et le coach a dit, c'est bon. Madame a gagné. Ça va. C'est bon. Voilà. J'étais trop contente. J'étais trop... Ouais. C'est ma C'est première ta fois en première plus. fois. Elios était sa première fois. Mais il comptait tellement sur lui. Il était tellement sûr de lui que bah, je lui ai... Ok. Lors de ton dernier date, vous voyagez, voilà. Emma vous annonce que vous allez voyager. Et on te cite parmi les filles qui vont voyager, mais on te dit que parmi vous trois, il y a une qui sera éliminée. À ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, ah, c'est bon, je vais être éliminée parce que je pense que les autres filles ont une avance sur moi? Ou tu te dis, non, je vais tout donner et je vais rester? Peut-être que mon tout donné, c'est pas peut-être tout pour Clive, hein. Peut-être mon 100% n'est pas son, peut-être mon 100% est son 50%, je sais pas. Mais avant ça, la cérémonie de la rose, j'ai eu à parler avec lui et j'étais vraiment rassurée. J'étais rassurée, genre, il se plaignait du fait que je m'ouvrais pas assez et je pense que je lui dis que c'est comme ça que je suis et il me faut un peu plus de temps pour peut-être m'ouvrir, ou ça dépend de la personne aussi que j'ai en face. Si tu as envie de t'ouvrir et la personne en face de toi ne te met pas très à l'aise, tu vois, Confiance, c'est voilà. ça Parce bloque un peu. que tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui, tu t'ouvres directement, mais tu rencontres une autre personne avec qui tu es totalement fermé. Exactement. Ça arrive. Ouais, c'est Voilà. ça. Moi, je pense que ça dépend vraiment de la personne qui est en face de toi. Et Oui. on en a parlé et je l'ai quand même rassuré que j'étais là pour des vraies raisons Voilà. et tout ça. Et parler,
c'est peut-être pas venu sur les écrans, mais on en a parlé. Et moi, en ce moment, je pensais que Tu étais bien, tu avais l'avance sur les filles, quoi. l'avance quand même sur j'avais l'avantage un peu sur les autres, j'ai pas compris. Et tu ne penses pas que lors de vos dates, tu étais trop une oui, genre, il te dit, est-ce que tu peux accepter la pauvreté? Tu dis oui. Est-ce que oui, est-ce que c'est l'homme, oui. Tu ne penses pas que tu aurais pu un peu plus t'imposer? Parce que moi, j'ai ressenti une fille qui forcément voulait rester dans l'aventure et ne disait pas réellement ce qu'elle pensait. Peut-être que tu avais dit, non, moi, par exemple, voici ce que je ne peux pas accepter. Parce qu'à un moment donné, j'ai regardé l'émission, je regarde et je vois que. À chaque fois, c'était, est-ce que tu peux accepter un homme comme ça? Tu disais oui. Est-ce que oui? Est-ce que oui? Cette réponse-là était sincère ou c'était juste parce que tu voulais lui donner cette place d'homme-là? Ou je pense que tu l'as peut-être trop donné à lui particulièrement, cette place d'homme-là. Parce qu'il y a des hommes qui ont besoin de ça, mais il y a des hommes qui s'en foutent totalement. Oh, je pense que tout ce que j'ai eu à dire pendant les dates, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout suivi, déjà pour commencer. Ouais. Et non, je ne disais pas tout, je disais pas oui à tout ce que Clav disait. Je disais oui peut-être, mais je donnais mes raisons après Ouais. par rapport à l'argent de la popote par jour. J'ai dit, on peut gérer tant Ouais. que la personne n'est pas assise à la maison à ne rien faire. Ça, je ne peux pas supporter un homme qui ne fait rien. Ouais. C'est pas dans ma vision des choses, je ne peux pas. Et la première chose il m'a demandé, qui a aussi tourné beaucoup, c'est quand il m'a demandé si je pouvais aller au Cameroun, s'il me choisissait. Et bien évidemment, qu'est-ce que je peux faire de plus que suivre l'homme Oui, que j'aime? ça c'est clair parce que si tu décides de venir faire cette émission-là, tu ne sais pas sur quelle nationalité tu vas tomber. Donc c'est normal, cette réponse-là, c'est parfaitement normal. Tu ne vas pas dire non quand même. Si Mais tu veux c'est faire ça. ça, c'est bien Oui, pour je pense pas. être Après, avec. je pense que dans le dernier épisode, on a vu que je suis pas bénie. Oui, je sais très bien ce Justement. que je. Dans le dernier épisode, vraiment, c'est là où on a vu que oui, tu n'acceptes pas n'importe quoi. Je Ben non, pense pas que du tout. j'aurais aimé, moi particulièrement, voir cette fille-là qui dit bah, je suis une femme, parce que tu es une femme, excuse-moi, parmi toutes les filles, on ressent plus le côté femme en toi. Tu aurais pu lui dire bon, oui, je peux accepter certaines choses, mais ça dépend de l'homme. Parce que tu peux dire tu vas accepter peut-être un homme quand il tombe, mais ça dépend de l'homme. On ne va pas accepter tout homme. Il y a des hommes qui tombent, qui ne font que tomber, qui ne veulent pas se relever, qui ne se battent pas, tu vois. C'est un peu dans ce cadre-là, c'est que je me dis pourquoi elle se réveille un peu tard. C'est vrai qu'après ta réaction là-bas était mature, mais tu vois ce que je veux dire. Excuse-moi. Je pense que j'ai dit ça au confessionnal. J'ai dit que moi, je ne peux que tirer un homme vers le haut. Enfin, comme tu as dit, c'est vrai, je comprends ce que tu dis, mais c'est l'impression que ça donne. Ce que nous, moi, j'ai dit face caméra, et il y a des séquences qui ont été coupées. Ce qu'on a pu voir à la télé montre que je suis une bénie oui-oui, ou je sais pas quoi. Mais alors là, pas du tout. Sinon, je pense pas que je serais arrivée même jusqu'à ce stade. Je serais partie un peu plus tôt. D'accord. Donc, c'est juste une question de la réalité et la télé, je pense. Et qu'est-ce que tu ressens au moment où tu gagnes le date? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis quand on te dit que tu as gagné ce date-là? Parce que tu es de vous toutes, tu n'es pas celle avec qui il a eu à vraiment parler de sa famille et tout. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? À quelle date, Stéphanie, j'ai pas compris. Le Quelle date, date? tu vois, quand vous avez voyagé là, Ok, c'est ok. toi qui gagnes le date. Voilà, tu Oui. gagnes le jeu. Qu'est-ce que tu te Oui. dis en ce moment-là? Ben, je suis contente. Je suis contente de. Je sais qu'une des trois doit de toute façon Non. quitter l'aventure. Donc, moi, je Je suis vais contente ajouter de Bibiana là. Il y a Bibiana qui va monter là. monter. Continue, D'accord. je t'écoute, ma chère. Donc, je suis contente de savoir que ben, j'allais passer un moment avec lui, parler avec lui. Je suis très contente. J'étais très, très contente. J'étais même excitée pour vite répondre et tout ça. J'étais super contente. Hello, ma chérie, comment tu vas? Ça va? Désolée, Linda. Ça Oui, on va. va? Bienvenue. Merci. On va terminer avec Linda parce que j'ai déjà commencé. Et ah ouais, tu Après, je te finis. prends. D'accord. Okay. Ok, Linda, tu disais? J'étais très contente, excuse-moi, j'étais très contente d'avoir gagné ce date. J'étais très contente d'avoir un moment
et parler avec, avec Clive. Je me rappelle même stressée toute la journée. Mais comment je vais le convaincre? Comment est-ce que je peux essayer de convaincre ce monsieur pour dire que je suis là pour les bonnes raisons quand même, Oui. tu vois? Je n'ai Ouais. pas dit que tu es amoureuse, mais quand même, quand tu es là et qu'il y a tout le monde qui se bat pour la même Ça personne, crée et des sentiments. c'est quand même quelque La chose, ça. compétition et tout, tu te dis, pourquoi Exactement, pas moi, pourquoi l'autre? exactement, Voilà, exactement. exactement. D'accord. Et après, tu gagnes. Tu te dis, ok, tu vas passer un moment. C'est vrai qu'ensuite, il prend Samira pour aller au date avec elle. Qu'est-ce que je te dis à ce moment-là? Elle vient Moi, de je me perdre, en disais. fait. Déjà, elle vient de perdre. Non, moi, je me dis que. Bah, de toute façon, tout le monde va avoir son moment. C'est le but Exactement. du voyage. Et moi, ça me donnait plus de temps pour m'apprêter pour mon rendez-vous le soir. Moi, j'ai pas vraiment ça, genre dans l'ordre ou quoi que ce soit. Ok. Ensuite vient ton moment où tu as ton date, mais les filles viennent tout gâter. Quand Oui, au tu moment passes où. d'abord du temps avec lui, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous êtes dit que nous, par exemple, on n'a pas pu voir, qu'on n'a pas pu écouter? Vous avez eu une conversation? Une conversation, mais pas plus que ce que vous avez vu à la télé, à vrai dire. Qu'est-ce que je veux dire? On était limite à un moment, je sais pas. Je sais pas. Peut-être en ce moment, j'ai compris directement que ça n'allait pas passer Et en ce moment. tu vois, là, c'est où tu sors même. Toi, là, derrière. Ouais. Voilà. Et ensuite, les filles arrivent. Qu'est-ce que toi, je te dis en ce moment-là? Tu aurais aimé que, voilà, tu aurais aimé que Clive se comporte comment? Parce que je pense que c'est aussi à cause de son comportement que tu as dit, bah, Oui, à cause allez-y, de... je m'en vais. Avec Clive, dès qu'il a vu les filles, il a eu les étoiles dans les yeux, Stéphanelle, je ne te dis pas. Voilà. Mais j'ai vu son excitement, je ne sais pas comment Il il. s'est, il s'est, il s'est, tu l'as senti excité, genre Exactement. la joie en Comme fait, un le goût enfant de devant des l'histoire. bonbons, quoi. C'est incroyable. Il était tellement content que moi, j'ai trouvé naturel. C'était naturel, pas calculé du tout, de quitter la piscine, tout simplement. Oui. Tout simplement, de toute façon, j'avais fini de. Tu n'as pas voulu noyer les filles là. Alors là, dès qu'elles sont arrivées, au fait, dès qu'elles sont arrivées, j'ai vu que c'était très à l'aise d'être là, déjà pour Oui. commencer. Et elles sont pas venues, genre, OK, on est venu à la piscine, elles sont venues directement vers nous. Dès qu'elles sont rentrées, elles Ouais. sont directement vers Clive. Donc, forcément, Le loin. c'est pour gâter le moment, au fait. Au fait, c'est pour venir interrompre ce qui se passe. Donc, moi aussi, je laisse ce qui se passe et puis je m'en vais. Comme ça. Voilà, quand j'ai regardé, J'imagine. j'avais la rage. J'avais la rage. J'ai dit, Mélita, je parle. Mélita, l'eau. Excuse-moi. Moi, Du coup, c'est toi. j'ai. Tu vois, et moi, je pense que ta réaction était très mature et je pense que tu as les félicitations de beaucoup, le soutien de beaucoup, parce que pour elle, pour tout le monde, même pour moi, tu as été une femme mature qui sait ce qu'elle veut dans la vie et qui ne va pas se laisser piétiner par n'importe qui et n'importe comment. Ça, Non, c'était moi à saluer. je dis que c'est mon moment. Oui. C'est mon moment. J'ai gagné, j'ai quand même battu. J'ai Tu as les répondu aux questions que questions. les autres étaient censés Exactement. savoir. Les questions, Voilà. c'est des sujets que j'ai jamais abordés avec le monsieur. C'est des réponses que j'ai retenues du date des Des filles. autres. Exactement. Donc, c'est pour te montrer à quel point j'étais quand même intéressée par la personne. Sinon, je m'en fous un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, de voir que je gagne à ça et que j'ai pas le. Ben, j'ai eu tout le temps que je voulais, y a pas de problème. Mais venir emmener d'autres personnes dans mon date, ça m'a quand même. J'ai pas bien pris. Donc, je Ouais. préfère, moi, partir que de lancer des mots ou de se dire des choses. Parce que ça va rentrer dans autre chose. Voilà. Mieux je pars et je ne vois rien de ce qui se passe. Et le fait qu'ils te disent que reste, ne pars pas et tout. Et après 2 minutes, tu le revois en train Oui, de. hier j'ai vu ce qui s'est passé. Bon, après aussi, les filles
Bon, après, le lendemain, Samira m'a un peu raconté ce qui s'est passé. J'ai dit, ben, ah bon? Donc, il était tellement content. Donc, il n'a rien à se reprocher, le monsieur. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut, quoi. Enfin, Ouais. OK. moi, je suis partie. C'est tout. C'est tout ce En que je tout cas, pouvais faire. c'est à saluer, hein. Ton Exactement. départ, il était royal. Oh, gentil. Donc, on va aller chez Bibi. Bibi. Hello. Bibiana, tu adores les bébés. Pourquoi tu décides de participer au bachelor? Déjà, bonsoir. Bonsoir. Déjà, le bachelor, ça faisait. J'ai pas participé, ils m'ont contacté. J'ai pas postulé de moi-même, ils m'ont Moi, contacté. tu as accepté, ça veut dire que tu as pris cette décision-là de Exactement. participer. J'ai pris la décision de participer au bachelor pour la première raison, déjà pour l'expérience. Ouais. Pour l'expérience, parce que c'était la télé-réalité, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Et vu que je suis aventurière, je me suis dit pourquoi pas. En plus, j'étais Ouais. célibataire depuis 3 ans. Waouh. Ouais. Fait longtemps, Ouais, et en fait, là. quand ils m'ont même contacté, je pensais au début que c'était un prank. Parce Oh. que, en fait, j'ai une amie, on avait l'habitude de se taquiner où elle me disait je te jure, l'année prochaine, on va t'inscrire au bachelor. On va t'inscrire au bachelor si tu es toujours célibataire. Et quand j'ai vu ça, comme elle aime beaucoup blaguer, je me suis dit sûrement que c'est un prank. Et après, quand j'ai vu la production, j'ai vu le, je me suis rendu compte que c'était sérieux. Donc, Ok, et qu'est-ce que ta famille en pense quand tu dis à ta famille que bah ouais, tu veux participer? Et d'abord, quand on t'annonce que oui, effectivement, tu as réussi le casting, tu vas finalement participer parce qu'il y a un casting, qu'est-ce que tu ressens? alors déjà, je passe les castings, Ouais. je fais très naturellement. Et quand on me dit que je suis retenue, bizarrement, c'était sans surprise. Hein. Moi, je savais que j'allais le faire. C'est bizarre ce que je vais dire, mais en fait, tout le monde l'a vu, hein, je suis un mood. Non, Ouais. mais plus sérieusement. Genre, j'étais pas surprise en fait, parce que quand même, je suis intéressante et tout. Et après ça, ma famille, quand je leur ai dit, j'en ai parlé que à ma grand-mère et à ma meilleure amie. Donc, ma Ouais. mère a découvert à la télé quand Adé. je leur ai dit. En fait, pour D'accord. moi, les images, ça vaut mieux que 1000 mots. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu descends de la voiture? Déjà, Stéphanie, toi-même, tu le sais, avant de sortir de la voiture. Oui, le stress Non, et tout. en fait, c'est plus le côté de maman. Est-ce que je ne vais pas me casser les dents? On ne sait jamais, c'est la magie directe. En fait, Ouais. j'avais un peu plus peur et tout. Et quand tu sors, tu attends. Quand tu Surtout le fait sors, de te lancer dans l'inconnu parce que tu ne sais pas tu ne qui sais est le pas bachelor. qui est le bachelor. Tu te demandes, Est-ce qu'il va il être comme ça ou est-ce qu'il va être comme a ça? quoi? Tu dis, ouh, Jésus-Christ, j'espère au moins que le jeune va me plaire au Seigneur tout le temps. Moi, en fait, c'était plus ce côté, ce stress. Donc, quand je sors de la voiture, je suis en mode, fais ton truc, parce que les gens ont vu, j'ai chanté. Donc, en gros, je devais gérer ce stress-là. Voilà. Quand tu décides de chanter, tu as réfléchi à la musique avant, tu as fait ce choix de musique là sur le coup 2 jours avant. Tu te dis quoi? Est-ce qu'il va aimer ma musique? Est-ce que je chante bien? Est-ce que je suis vraiment En Kadibi? fait, c'est bizarre. J'ai choisi cette musique-là particulièrement, en fait, parce que les paroles correspondaient exactement à ce qu'on est venu Au faire dans le moment. bachelor. En Ouais. fait, c'est bizarre. Je me suis dit que j'allais chanter, mais j'ai eu cette idée. J'écoutais de la musique et j'ai entendu le son. C'est une musique que j'ai l'habitude d'écouter, et puis j'ai dit, c'est ça que je vais chanter quand je vais aller au D'accord. bachelor, en fait. Parce que ça parle de quelqu'un, en fait, qui va trouver l'amour, en fait. Mais la partie où j'ai rappé et tout, c'était vraiment au pif. Hein. Je l'ai fait, genre, je l'ai préparé, genre, peut-être 2 heures ou 3 heures. J'ai changé, j'ai dit ce qui me venait à la tête. Et quand tu le vois, c'est ton type d'homme. C'est quoi ton type d'homme? Déjà, quand je le vois, je dis bon, c'est un pain. Au moins, je suis pas venue perdre mon temps. Comme la différence de taille, Ouais. là, non, ouais. Quand j'ai vu Où le le gars jeune, j'ai dit, est hé! obligé de te porter et tout. Ah, en tout cas, le jeune porte beaucoup la souffrance du monde. Il est bien.
Non, mais en fait, au début, quand je l'ai vu de loin, dit, genre, il est costaud et tout. Mais en fait, quand je suis arrivée, il était tellement chaleureux, avenant. Et c'est bizarre, les mecs, moi, j'adore les mecs grands de taille. Ah, ça, Ouais, c'est mon truc, en ça, ce sont les fait. trucs des filles. Des filles très petites, les filles. Oui, les gars, qu'est-ce que C'est-à-dire que Ouais. minimum 1,80 m. Et puis moi, j'ai de toute façon, je suis petite, c'est comme ça, je mesure dans ma tête. Et quand j'ai vu ça, je dis ça, les jeunes doivent faire au moins un bon 1,90 m. C'est déjà bien. Et en fait, moi, mon genre d'homme, j'aime les mecs grands. J'aime les mecs grands de taille. Ouais. C'est vrai que Clive, il est très musclé, mais j'aime pas les gars trop musclés, en fait. Ou D'accord. trop conformés. Je suis pas très. Moi, c'est. Le physique, en fait, c'est pas quelque chose qui me. J'ai pas dit que j'aime les moches, parce que je suis pas moche, mais en tout cas, c'est plus le feeling, en fait, la Ouais. personnalité de la personne, en fait, qui me. Et lui, il t'a tiré? Déjà, tu t'es dit. Quand je suis arrivée, je dis. Il est mignon, en fait, c'est plus son sourire. Ouais. Je veux dire, mais au début, quand je l'ai vu hyper grand et tout, bien costaud, j'ai dit. Le jeune aime, au fait, tu sais, nous les petites, on aime bien les grands, en fait, ça fait Ouais. très protecteur et tout. Voilà quoi, Et la patience. qu'est-ce que tu penses des premières filles le premier soir? Qu'est-ce que tu penses des filles autant pour moi le premier soir? Qu'est-ce que tu te dis? Déjà, quand j'arrive, je vois tout le monde. Moi, je suis quelqu'un de nature, je suis bon mood, en fait. Il faut être honnête, on est toutes venues là pour quelque chose, mais Ouais. il faut avant tout se respecter. Je suis quelqu'un qui respecte tout le monde. Donc, j'ai toujours été très bon mood. Je vois, chacune joue un peu de son. En fait, je pense à la bonne enfant, quoi. Le premier soir, il te recale. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis? Je vais tout casser ici. Qu'est-ce que tu te dis? Évidemment, Stéphanie. Quand j'étais à ce moment précis, là, j'avais pensé à toi. Je dis, Stéphanie, elle allait couper les fils ici, hein. Elle allait J'allais tout couper. gâter. J'allais tout gâter. Mais en fait, si tu as bien regardé le premier épisode, Ouais. avant que j'aille au cocktail, j'avais dit, il y avait Clive et moi, on s'était Le parlé, regard. en mode, si tu regardes vers moi, Et que tu ça veut fais dire ça. ça veut dire que, en fait, On doit aller parler. on doit aller parler. Ouais. Et en fait, pendant le cocktail, les filles, elles ne savent pas parce qu'elles ne savent pas ce qu'on sait Ouais. qui. Et du coup, durant le Il a fait le cocktail, il regard. a fait le regard. Donc, c'est clair que je vais vers lui. C'est pour ça que quand il a eu fait le geste, j'étais en mode. Mais qu'est-ce que tu fais? What the fuck? Et en plus, c'est pas passé parce que moi, Tu es je fière. suis très. Je Tu suis es une quelqu'un personne de très fière. fier. Stéphane, J'imagine. c'est peut-être l'un de mes plus, je dirais, gros défauts, en fait. Ouais. Je suis très fière. Donc, imagine, Ouais. quand tu, dans toi, dans tout ton toi, là, tu vas, tu te lèves, déjà même. Le bachelor, je l'ai vraiment pris comme un exercice, genre, parce que dans la vie de Ouais, tous les modifier jours, ce que tu voilà. travailles sur un truc comme tu n'as pas Exactement. son habitude de travailler. On dit Tes que petits je suis défauts et pas tout. avenante vers les hommes. C'est-à-dire que je suis toujours en mode. Les hommes, c'est plus mes amis, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je traîne tellement avec les mecs que, en fait, tu vois les petites entourloupes, quand tu veux commencer, même, et tu mon frère. Ah, papa. Ouais. Tu vois, Ok. donc c'est difficile pour moi. Donc quand Clay fait ça, Stéphanel, si on pouvait prendre le courant, peut-être dans l'enfer et moi, on avait le même degré. Mais bizarrement, j'ai été très fière de moi parce que je suis restée Tranquille, sereine, tranquille, calme et tout, calme. avec les petits trucs que les filles Je disaient dis, autour. quand j'entendais, mais juste qu'on me dit, ah, Bibi, est-ce que tu penses pas ce que tu vas faire? Tu vas partir parce que moi, un gars me manque de respect comme ça. Donc, en Je fait, elle voulait te décourager. dis, en fait, ils ont ça quoi, ça m'intéressait. Et maintenant, tu reçois la rose. Quand tu reçois la rose, je te dis, c'est une blague. Tu m'as séché là-bas, non? Après la soirée, tu as fini de me faire fort. Maintenant, tu viens me donner Tu fleurs. voulais Non, refuser la rose parce que tu es un peu tardé là, t'es là. mais en fait, c'était mon but. Hein. Honnêtement, je ne vais pas cacher que. J'avais même pas défait mes affaires, même j'étais en mode. Je suis venue de Paris, I'm illico going, presto, I'm je m'en vais. going. C'est Genre, quoi je me cette cache. humiliation? Je te dis, attends, moi, Bibi,
je viens tout le temps me moquer de respect, tu me fais... Non. Franchement, mais quand j'ai même dit que je m'en vais et tout. Et quand je suis arrivée, ça m'a un peu cassé. Tu sais, on coupe beaucoup de choses au montage et tout. Quand je suis arrivée, ça m'a un peu cassé. Quand, dès qu'il m'a donné la rose, désolée. Tu vois, quand tu es stupide. Ouais, tu vois, un peu le truc, genre, ah, j'ai fait. Ce sont souvent les gars toxiques qui aiment faire ça, genre, ils te font, ils disent, ouais. Désolée, c'est genre. Non, c'est genre, là. Là. Fâchée, excusez-moi, je t'aime. C'est pas pour dire que Clive est toxique, s'il vous plaît. Elle a pas dit, s'il vous plaît, elle n'a pas dit. C'est comme ça que les gars toxiques font souvent pour nous calmer, c'est tout. Donc, du coup, ouais, quand je suis allée, ça m'a vraiment un peu, je sais pas, je te mentis, ça m'a désarmée parce que, de toute façon, ouais. Je n'ai pas gâtée. J'arrive à demander, je suis la première qui dit désolée dans l'émission. Mais en fait, ils ont coupé. Franchement, ça m'a beaucoup cassée parce que, tu vois, avec tout son truc, et je lui ai dit ce que je pensais. Ouais, à la télé, même, ils ont coupé beaucoup, même. Je lui ai dit ce que je pensais et ça m'a vraiment touchée. Quand je lui ai dit à une partie, genre, devant toutes ces filles-là, tu m'as manqué de respect, c'est devant les mêmes filles-là que tu vas excuser. Donc, il s'est retourné et franchement, il s'est excusé. Ça, par contre, ça m'a... Félicitations, Linda a eu ses excuses publiques, la première, c'est très bien. Franchement, ouais. ça m'a montré aussi qu'il a une grandeur d'esprit parce qu'il n'était pas obligé de s'excuser auprès de moi, devant les filles, en fait. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ça. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que je vais finir avec Linda, parce que je pense qu'elle elle peut s'ennuyer, là. Donc, Linda, ensuite, le soir vient, tu racontes aux filles qu'est-ce que tu ressens en ce moment où lui, il entre dans la salle, il prend une autre fille pour aller parler avec, après ce qu'il t'a fait vivre, étant dans votre date et quand vous avez voyagé. Oui. Franchement, à cette soirée, je pensais parler avec lui quand même. Mais ouais. Même pas pour le fait de rester encore dans l'aventure, parce que je ne suis pas sûre que j'allais accepter... Rester. Mais pour mettre les points sur les i, quoi. Exactement. J'allais juste lui dire... parce que quand on se retrouve au petit déjeuner, il me dit « Ah, je ne comprends pas pourquoi Linda, elle a quitté. Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes à moi si... » Je ne comprends pas. En fait, genre, est-ce que c'est moi le problème? C'est les filles qui sont venues le problème? Il faut savoir faire la part des choses. C'était pas moi le problème. Moi, j'ai pas quitté la piscine parce que j'avais envie de quitter la piscine parce que je m'ennuyais à mourir. C'est parce qu'on est venu interrompre et pour moi, c'est un manque de respect. Et pour moi, je vais partir. Bon, pourquoi est-ce que tu me parles de moi quitter la piscine? C'est pas le sujet. Le sujet est que les filles sont venues interrompre mon date. Je ne suis pas fâchée. Mais ne viens pas me dire que c'est moi le problème. C'est pas moi le problème. Ouais. Et c'est ce que tu voulais lui dire. Tu n'as pas eu l'opportunité de le faire. J'ai pas eu le temps de le dire et puis de lui dire et puis tant qu'à faire. Anyways. Étant donné que tu étais proche des filles, quand tu entends Samira dire, elle s'en fout. Si c'est chacun sa gueule, elle sait pourquoi elle est venue. C'est quand même pas Samira. Samira, voilà. C'est un peu... C'est tout ça. C'est un peu de... Le piquant, tu vois, c'est celle qui s'en fout de tout. Donc, elle s'excuse pas pour ce qu'elle a fait. Elle dit que... Par contre, Zénab, elle s'excuse. Oui, Zénab, elle était... je l'ai trouvée quand même un peu plus gênée que Samira. Mais... C'est pour ça que nous sommes aussi venus. Vous participez à cette émission, c'est pour le bachelor. C'est pour le bachelor, et... c'est pas pour se faire des amis comme elle a dit. Tu vois. Voilà. Et ensuite, tu ne reçois pas la rose, mais encore Maria qui reçoit la rose. Oh. Comment je vais dire ça? C'est ce que Zinab a pu le dire, c'est parce qu'elle plaît au monsieur qu'elle est encore là. Ouais. Sinon, elle serait partie. C'est pas... On ne force pas. Ça, c'est vrai. C'est pour quelque chose. C'est pas... Et puis, Marie et moi, on n'a pas eu de problème plus que ça. Hein. Franchement, le premier jour, moi j'ai pas aimé son entrée. Comme elle n'a salué personne, elle est venue s'asseoir tranquillement. Mais après ça, ça a passé. J'ai pas eu de problème avec Marie. Elle est gentille en plus. D'accord. Et qu'est-ce que cette émission-là t'a apporté? Comme opportunité, qu'est-ce que tu nous réserves pour l'avenir? Disons que ça m'a apporté de la visibilité.
Disons que ce que ça m'a apporté pour l'instant, c'est la visibilité. Pas d'accord. De on va dire. Les contrats, ça viendra, mais je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes les demandes parce que je voulais terminer avec l'émission pour avec, pouvoir avec être libre. Quoi. Voilà. Mmh. Et puis, maintenant, on va se concentrer sur les, sur les bonnes choses. D'accord. Vraiment, nous, tu nous as marqués. Sache-le. Je parle pour les, ceux qui ne peuvent pas parler. Tu nous as vraiment marqués et tu as été, tu es sorti la tête haute, comme on Merci. Dit. Au début, Merci. On se disait, mais non, elle accepte tout. Mais là, tu es sorti. Allez-y avec ça là-bas. Prenez-le, rien à foutre. Je sors avec ma couronne sur ma tête. Toujours. Et ça, c'est la félicité. C'est gentil. Donc, Merci on beaucoup. Peut te suivre où, en fait On peut suivre Instagram, Instagram Facebook, ouais. Snap et TikTok. C'est pareil partout, c'est Linda Malou. Mm-hmm. L-N-D-A Malou, M-A-L-O-U. Comme vous l'entendez, et on me trouve... Et je tiens à préciser, s'il vous plaît, que là... On m'a tellement, j'étais tellement dans la sauce à cause de mon maquillage tous les jours. Je suis sans maquillage aujourd'hui et je tenais à être sans maquillage pour ce live pour que on puisse savoir que c'est pas que je m'assume pas ou que je suis très laide ou quoi que ce soit. Voici mon visage sans maquillage. Que ça soit clair. D'accord. Parce que je... Commentaire, là, arrêtez, hein, c'est bon. J'ai déjà quitté, arrêté avec tout ça. C'est bon. D'accord, Linda. Nous sommes fiers de toi. Merci. Et je te souhaite beaucoup de bien. On n'aura pas le temps de prendre des questions du public parce qu'il y a encore, Bibi et Angélique qui doivent passer. Yeah. Ok, ça marche. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, une dernière petite question parce qu'il faut un peu savoir. Oui. Est-ce que tu es en contact avec le bachelor ou est-ce qu'il t'a contacté? Non, mais la dernière fois que j'ai parlé avec le bachelor, c'était à San Pedro, je pense. J'étais à San Pedro. San Pedro, non. La plage, là. Au Grand Bérébi, excusez-moi, pardon. Voilà, quand c'est vous avez voyagé, là. Exactement. C'est tout. Même le roi, c'était le roi le plus ravi du monde. J'ai pas, okay. J'ai pas eu le temps, mais non, j'ai pas... j'ai pas... Et tu restes en contact avec qui, parmi les filles? Avec presque toutes les filles. Avec presque toutes. Sauf. Avec presque toutes. Sauf Johanna. C'est pas méchant, mais on s'entend juste. On n'a pas eu de problème, Johanna et moi. C'est le, même, c'est le même truc du fait qu'elle n'assume pas les choses. D'accord. Dans la maison, on se parlait à peine. On avait. Franchement, c'est. J'ai pas de problème avec elle. J'ai pas D'accord. de problème avec elle. Ok. Alors, merci d'être passé. On te souhaite tout le bonheur, merci tout beaucoup. Le bonheur et beaucoup de contrats. Beaucoup de contrats. Mais merci okay. beaucoup. Ok. Comment je quitte Bisous. Le live, Stéphanelle? Il y a une croix quelque part là-bas en haut. La croix? Clique sur ça. Ok. La croix. Voilà, Bisous. Tu cliques sur la croix. Bye. Ok. Bisous. Bye bye, ma chérie. Bye. Bye bye. Bibi, nous sommes avec toi. Ah. Hello. Hello. Deux à deux. Ok, quel est ton moment le plus marquant de l'aventure? Je pense que c'était où on a le troisième épisode, je pense, où on est allé au karting, parce que c'est une activité que j'adore faire dans la vie tous les jours. Ouais. Donc franchement, au-delà de gagner, j'ai vraiment, c'était l'une des plus belles journées que j'ai passées dans la maison. Tu as gagné, hein, pas que tu as gagné. Oui, c'est vrai que j'ai gagné, mais ça me faisait plaisir de, tu sais qu'on est enfermé et tout, de faire un truc qui me passionne aussi, et de gagner, c'est vrai, mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Et comment tu passes ton date avec lui? Franchement, au début, quand je suis arrivée, faut pas que je mente, Stéphanelle, j'étais un peu stressée. Ouais. Parce que Clive, il a l'image dans sa tête, je suis très, tu vois... Je suis très rentre dedans et tout. Et quand j'arrive, je suis un peu stressée parce que là, on n'est que deux, tout ça. Mais franchement, il ne faut pas que je mente. Il m'a très mise à l'aise. On a vu ça, on a vu que tu étais son cou. On a vu que tu étais son cou. Non, on a vu. Tu t'es pêché, là, son cou, comme le petit bébé. Tu vois, quand tu prends tes petits frères, tu pars avec à la piscine, là. Tu mets juste sur le cou. Ou bien quand tu marches avec eux au quartier. Excusez-moi.
Je suis le coup. C'est pas dit que pourquoi il suit le coup. En fait, c'est lui qui me disait genre, allez, vas-y, monte, en fait, tu vois. Donc, je suis montée parce que, franchement, on s'est bien amusé pendant le date. On a bien discuté, on a beaucoup rigolé parce qu'il y a un truc avec Clive, on faisait tout le temps. On se tapait des. Non, mais en fait, on riait tout le temps. Souvent, même, on va tête à tête. Donc. Genre, je vois sa tête, il voit ma tête. On rigole. En fait, on sait même pas pourquoi on rigole, mais on rigole. Toi, tu penses pas que tu es ça là, tu c'était pour rien, lui. Mais, en fait, le truc, c'est qu'on est. Franchement, sur ce point-là, il met vraiment à l'aise. Ouais. Donc, ça fait qu'à mon date, c'était très fluide. Et quand on a commencé à parler de sujets un peu plus sérieux, en fait, de nos familles, de nos vies, j'ai découvert aussi une autre personne. Et lui aussi, ça a permis qu'il me connaisse un peu plus, en fait. Ouais. Ok. Et plus douce. En ce temps, dis-moi. Plus douce. Plus douce aussi. Et ton pire moment, qu'est-ce que tu as énervé dans l'aventure? Je pense que ça doit être un truc en off. Dis-nous, on a besoin de bérer là. On a... J'adore les bérets, le papa Toya. Est-ce que tu peux nous dire? Le pire truc, c'est que. Qu'est-ce que je veux dire comme pire truc? Attends, je sais qu'il y a quelque chose qui a dû. Le pire truc. Ah oui, c'était un truc en off. Parce que franchement, Stéphanella, là sur le coup, peut-être que si ça me vient à la tête. Après, ok, il n'y a pas de problème. Et maintenant, tu vois les filles, on annonce que les filles vont aller en voyage. Ah, par contre, les petits trucs, les choses de sport là, ou les choses de la trousse. Et puis, vous savez que j'ai même garanti, je dis Clive, la prochaine fois, c'est les choses de boum, les femmes commando. Parce que moi et Mazarine, on avait nommé ça la team des femmes commando. Je dis Clive, je suis venue de Paris, mon teint caramélisé, les choses du soleil là. Ah, c'est ça le bachelor. Hein. Quand tu viens participer au bachelor, sache que tu vas perdre au moins 3 teintes. C'est comme ça. Tu sors de là, tu entres bien, tu sors de là bien noir. Après, pendant l'émission, on te dit non, elle était noire et elle est devenue claire. Mais non, c'est le bachelor qui est noire. C'est le pire truc que j'ai eu parce que tu sais, moi, on est parti faire une activité et du coup, j'ai bronzé. Mais le truc, c'est que j'ai très mal bronzé et ça m'a pris genre 6 mois pour que mes cuisses avaient 2 teintes. Je suis allée même chez le dermatologue. Oui, parce qu'en fait, si tu avais couvert cette partie, exactement, ça prend la partie qui est. Qui est sur le soleil, quoi. Tu sais que c'est. Qui est exposé autant que moi. Il y a que depuis un mois que cette partie de mon corps-là, en fait, redevient normale. Ouais. Est-ce que tu te rends compte? Non, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment. C'est-à-dire que c'est le truc. Tu regardais mes cuisses. À un moment, j'avais limite, surtout en été, j'avais limite un peu honte. Moi qui m'habillais toujours petit là. Ouais, tu te dis. On va dire qu'elle a 2 teintes. Est-ce que. Ouais, désolé. C'est-à-dire que j'ai pas bronzé normalement. J'ai carrément cramé, en fait. Et ça m'a fait une brûlure. Donc, je pense que c'est le pire truc que j'ai eu. Et quand on annonce aux filles qu'elles vont aller en voyage, sur le coup, sans qu'on ne dise que non, il y aura une qui va être éliminée, tu te dis quoi? Il dit oh, moi j'aime voyager comme ça là. C'est qu'un peu témoin de. Hey, vous aimez ça, hein? On va rester dans la maison là, comme les meubles. Vous pensez qu'on est venu. Et après, on dit, parmi les 3, une va être éliminée. Tu dis, il y a un Dieu pour les pauvres. Il dit, hey! Jésus, moi je voulais gâter ton nom pour dire Seigneur, tu m'aimes pas. Tu m'as honnêtement, pas tu étais un mood dans cette émission, hein, qu'on se demande pas. Je pense que tu t'es même retenu. Je pense que tu te retenais parce que on sentait vraiment que tu étais un mood, mais tu te retenais. Beaucoup. En fait, comme tu l'as dit au début, cette émission m'a aussi permis en fait de canaliser en fait certains points en fait de ma vie. Il y a des trucs qui se sont passés dans le jeu, comme le truc du premier épisode. Stéphane, moi, bon. Ça passe. En fait, c'est-à-dire que moi, j'ai des proches qui ont regardé le premier épisode. En fait, ils me disent clairement, moi, j'ai fermé mes yeux parce que toi que je connais. Ouais. Toi que je connais, en fait. C'est bien de se dire que je vais améliorer certains traits de mon comportement. Pour être meilleure, pour être la meilleure version de soi.
Parce qu'il faut évoluer dans la vie, tu vois. Même toi, tu vois, les gens se plaignaient. Oui, Stéphanie, elle est trop... C'était ma première fois et j'étais très jeune parce que je suis jeune. Mais avec le temps, des choses changent. Je ne suis pas sûre que si je fais cette émission, j'aurai des réactions, mais un peu plus calculées, tu vois. Un peu plus modérées, tu vois. Voilà. Et franchement, ça fait beaucoup à apprendre sur soi. Ouais. Tu te retrouves dans une maison avec toutes des belles femmes, tu vois. On est toutes belles. Chacune de son genre. Oui. Chacune de son type. Tu as vu cette année, il y a des skinny, il y a des enfants, il y a tout le monde, tu vois. Ouais. Et moi, je pense qu'une femme, c'est pas simplement un beau visage. Ouais. C'est toute une personnalité. Tu sais, souvent, on s'attache. Les gens n'ont pas peut-être compris, par exemple, ah ouais, par exemple, quand on a regardé la première saison, oh oui, il y a d'autres, Stéphanie, elle est magasin, Stéphanie, elle fait trop. Mais en fait, les gens ne comprennent pas que... Je ne sais pas, tout, mais c'est qui est sûr, c'est comme ça. Ça, c'est mon moi, quand je suis devant les gens que je ne connais pas. Si tu penses que tu vas me donner un coup, moi, je te donne 10 coups. Donc, je suis toujours comme ça. Mais après, il y a la vraie vie où je ne suis pas en concurrence avec qui que ce soit. Où je suis moi, tu vois. Pas que c'est pas moi là-bas, mais c'est moi dans un cadre. Mm. Mais pas totalement, tu vois. Donc, t'inquiète. Et on va avancer. Ensuite, quand tu reçois pas la rose, en fait, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Honnêtement, je ne suis pas surprise. Vraiment? Donc, peut-être que ça va décevoir. Tu t'attendais à ça? Toi qui aimes les bérets, les guinguins. Là, bon, honnêtement, moi, étant donné que j'ai déjà fait cette émission, je regarde, je peux me dire, bon, elle, je pense que là, avec d'autres là. Donc, moi, je m'attendais à pas à ton départ, je vais pas mentir. Mais pas parce que tu ne méritais pas de rester, mais tout simplement parce que bah, c'était comme ça. En fait, là, par contre, je vais te donner un petit truc. Mm. La vérité, j'étais pas surprise, en fait. Parce que même si Clyde me donnait la rose, j'allais rose. Non, j'allais la refuser, en fait. Non, mais en fait, je ne pouvais plus rester dans l'émission, en fait, pour des raisons personnelles, en fait. Il y a des proches dans le jeu qui savaient que je ne pouvais plus, en fait, rester pour ces raisons. C'est-à-dire que là, même s'ils me donnaient la rose, c'était plus possible que je reste, en fait. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui méritait, donc... Mais en fait, c'est pas ça, mais non, je dis le coup là parce que toi tu ne voulais plus être là, donc quelqu'un d'autre méritait ça. En fait, c'est pour ça que limite là, oui, tu étais content. Déjà, tu m'as comme ça. J'étais que c'est lui en fait. Bon, non, ça c'est Bibi. Ça c'est Bibi. Je peux te donner une raison officielle. Là, je peux te la dire. Dis-moi, tu es enceinte. Maman, c'est quoi ça? Non, l'une des raisons que je peux dire en fait. Si internet, oui. Que tu es un peu de béret. Mm-hmm. Stéphanie, j'avais le concert de Beyoncé. Je pouvais pas, C'est-à-dire que maman, je peux pas laisser, Concert de Beyoncé. Moi, j'ai payé mon ticket VIP à plus de 800 €. Mois ou 9 mois avant ou je. Six mois avant même l'histoire de Bachelor, tout ça. J'ai payé mon ticket plus de 800 €. Ouais. Moi, je vais laisser Beyoncé pour l'homme. Hey! Mais Beyoncé ne va pas t'épouser. Hein. Beyoncé ne va pas te faire des enfants. Beyoncé ne va pas... Beyoncé ne va pas m'épouser. Mais... Non, mais moi, je suis la fille spirituelle de Beyoncé. Beyoncé, c'est un membre de ma famille. Ah! C'est ça. En fait, ça fait partie des 10 choses dans ma vie que je dois faire. Voir Beyoncé en concert. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Et quand j'ai vu comment le jeu... Bizarrement, moi, non. Je ne sais pas pourquoi. Eh, Stéphanie, si tu me voyais le jour là, je dis, tu vois, quand j'ai pris mon avion, genre, je pense que je suis partie 3-4 jours après que je suis sortie du jeu, quand Clyde ne m'a pas donné la Wii Restore, j'allais dire, que j'allais le faire caler même pour dire, frère, tu m'as aidé même. Ouais. Parce qu'imagine, je restais dans le jeu. Le concert finissait, en fait. Et puis, Clive m'élimine. Je perds le ticket. Je perds l'homme. Stéphanie, tu ne trouves pas comme moi? Ouais. Là, par contre, j'avais le ticket. C'est vrai, quand même. Je pense que c'est aussi parce que toi-même, tu ressentais au fond de toi qu'il n'y avait pas vraiment un truc qui te permettait de rester. Tu ressentais quand même qu'il y avait plus de l'amitié ou de, je ne sais pas,
un truc fraternel entre vous qu'un truc amoureux. Et tu n'étais pas dans la profondeur, en fait. C'est la raison pour laquelle tu as pris cette décision. Bon. Comme je t'ai dit, c'est pour des trucs personnels, en fait. Okay. Justement, que ça et la musique. Et la musique, ma chérie. On a aimé ton truc, ta vidéo de Baby Girl et tout, là. La musique, qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que Bibi va nous faire? Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Est-ce qu'elle va nous sortir un Nazalaka Pemwe? Est-ce qu'elle va nous sortir un Cardi B? Ou est-ce qu'elle va nous sortir un single by Beyoncé? Déjà, pour la musique, il faut savoir que je la fais depuis très longtemps, mais de manière professionnelle, ça fait bientôt 4 ans. Et c'est-à-dire qu'en amont de mon travail de juriste, je suis artiste, je chante du rap. Et en fait, là, je prépare déjà, parce que j'ai mes chansons déjà sur ma page YouTube et tout. Mais là, en fait, je prépare un single là pour d'ici la fin d'année. D'accord. Donc, ceux qui me suivent sur les réseaux, j'avais déjà commencé à teaser 2-3 trucs. Je me baladais beaucoup au studio. Ouais. Et mes abonnés m'ont demandé un truc particulier. Vous savez, la traîne bang bang bang, j'adore le béret. Je vous jure qu'il me dit, mais fais un son avec. Vas-y, tu sais, dans la vie, il faut prendre des risques. Vas-y. Qui ne tente rien n'a rien. Ça peut être ton son qui va le plus percer. C'est ça, en fait. Et du coup, bizarrement, j'ai écrit des paroles dessus et j'ai invité en fait des abonnés à moi qui font de la musique à me proposer des prods. En gros, c'est un peu un partage aussi avec ma communauté. Oui, parce que tu vas partager, nous on va voir. Et si moi j'aime le son, moi je vais faire une vidéo. Parce que moi je ne suis pas dans l'écran, je ne suis pas vraiment TikTokeuse ou quoi. Mais si j'aime quelque chose... En tout cas, Stéphanie, je sens que toi qui aimes danser là, je veux vraiment faire un truc genre qui soit dans mon style parce que genre, tu vois... Tu dois avoir ta propre signature. Exactement. Genre je chante, je rap et je veux un truc qui fait un peu comme trap, tu vois, c'est les fêtes, il faut qu'on s'ambiance et tout, mais en même temps que tout le monde peut kiffer. D'accord, ok. Et qu'est-ce que l'émission t'a apporté comme opportunité? Faut pas que je te demande. Pour le moment en fait, je pense que ma vie n'a pas changé. Je veux dire, il y a des opportunités, je vois, surtout ma boîte mail, je me dis mais c'est pas, je veux dire, tu vois, des trucs de ouf. Mais c'est plus dans le cadre de, je veux dire, visibilité, faut pas que je mente, en fait. J'ai gagné des abonnés, surtout sur TikTok où je suis plus présente. Ok. Donc, tu peux nous dire où on peut te suivre, tes réseaux. Que ce soit Bibiana sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. C'est pareil, Bibiana. D'accord. Ok, Bibi. Là, je vais prendre Angélique. J'ai vraiment du avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est mon live le plus long. Je peux me déconnecter? Oui. Attends, je veux te dire au revoir. Ah, d'accord. Ok, au revoir et vraiment merci d'être passé. Ouais, on a été ravis de t'avoir dans le bachelor parce que ça a amené un peu de joie, avec ta petite joie de vivre et tout. Et j'espère que tu as gardé contact avec certaines filles et lesquelles. Tu as gardé contact avec quelle fille? Moi, dans le jeu, j'ai pas de groupe. En fait, c'est normal, tu as des affinités plus avec certaines personnes. Ouais. Sinon, en vrai, sauf celle qui je parle pas, Joanna. En fait, elle, j'ai pas de problème avec elle, en fait. C'est juste qu'elle a fait un truc dans l'aventure qui m'a... Quoi, elle m'a refroidi. C'est quoi? C'est Vanelle. L'Oréal? Non, c'est pas ça, j'ai dit juste ce que je pense. Et même elle, j'ai pas de problème avec elle. C'était plus en off, en fait. Je pense qu'elle s'était prise la tête avec les filles. Et moi, j'étais en train de faire une de mes activités préférées, manger dans la cuisine. Et puis, bon, la fille se prend la tête avec les gens. Moi, je suis devant la porte de la cuisine. Elle vient, me pousse. Bon. Stéphanelle, moi, je sais pas, en fait. Tu vois, quand tu vis ce genre de moment, je te dis, je la gifle ou je passe. Stéphanelle. Je laisse. Tu sais quand je t'ai dit cette... Je donne pour moi à Dieu. C'est ce que j'ai fait parce que, en fait, j'étais tellement choquée. Je me suis dit, mais... Et j'ai pris sur moi, en fait. Et jusqu'à la fin de l'aventure, elle ne s'est jamais excusée. Elle ne s'est... Et puis, en gros... C'est en mode, elle fait ça. Ici, je reste tellement calme parce que moi, j'aime parler beaucoup. Je reste tellement calme. Quelqu'un qui me connaît vraiment doit savoir que, de toute façon, j'étais très calme là.
Angélique, je pense qu'elle elle a suivi la scène, elle m'a dit pipi. Ouais. Vas-y, Angélique, laisse tomber, en fait, genre. En Ok. parlant même d'Angélique, on va prendre Angélique là. Et je pense que j'ai fini avec toi, ma belle. Y a pas de souci, Vraiment, dis-moi. on a été ravis de t'avoir. Tu Y a nous pas de souci. as parlé. On a appris à te connaître. Nous sommes ravis. On attend voir ce que tu nous réserves Y a et pas on de continue à avoir le souci, bachelor. en fait. Y a pas de Bisous, problème, en tout chérie. cas, je vous embrasse. D'accord. Bisous. Alors, Angélique, j'ai fini avec les filles parce que je ne voulais pas vous mélanger en fait. Ok. Dis-nous, on était où? On en était où? À tes enfants, qu'est-ce que tu as pensé au moment pour tes enfants? Non, on parlait de mon style de gars. Ok. Vas-y alors, dis-nous. Alors, je te disais tantôt que voilà, j'ai certes un style de gars que j'apprécie, que voilà, j'aimerais avoir avec moi. Mais à un moment donné, il ne faut pas se faire une fixation parce qu'au-delà du physique, on trouve souvent beaucoup de très belles C'est choses. vrai. C'est-à-dire, derrière le physique, il y a souvent un bon comportement. On peut se dire que voilà, j'aime des belles personnes. Ouais. Et bizarrement, on se retrouve en train d'être avec une personne que la société peut traiter de pas belle. Donc, OK. c'est pour ça que je disais que je ne fais pas une fixation. Ok, et quand tu arrives, tu viens avec qui? Parce qu'on a vu que tu es venu avec un monsieur. C'était qui le monsieur? Alors, c'est mon oncle. Attends, ton oncle a décidé de t'accompagner. Il vit ici à Abidjan ou il vit au Cameroun? Il y a Ouais. Abidjan. On est de la même famille. C'est pas si compliqué. En Afrique, c'est pas parce que c'est un jeune qui peut pas Non, être je ne dis ton. pas que C'est pas non, parce je que. ne dis pas que c'est pas ton oncle. Je suis juste surpris par le fait que ton oncle décide de t'accompagner dans cette aventure. C'est ça, en fait. Bon. Déjà, la vérité, c'est qu'il était sur le territoire Ouais. ivoirien. Et il était déjà sur le territoire ivoirien, donc c'était déjà un avantage. Et pourquoi pas faire ce genre de choses accompagné de son oncle? Donc en fait, on a discuté là-dessus et voilà, on s'est dit que c'était une très belle occasion après aussi de faire valoir nos valeurs, les valeurs auxquelles on s'attache, tout simplement. On avait plus besoin de mettre ça en avant. Ouais. Et quand il commence à faire ces trucs-là, tu te dis pas, mais le bachelor va quoi que ce soit des incantations? Parce que nous, quand on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça vient de quelle ethnie au Cameroun? Parce que moi, je suis camerounaise et je n'ai pas encore vu ça. J'aimerais en savoir plus. Partout d'ailleurs. Le chasse-mouche, on l'utilise beaucoup plus. Enfin, les patriarches l'utilisent, les chefs traditionnels, les patriarches, ils utilisent le chasse-mouche pour plusieurs raisons, surtout pour bénir. Voilà, c'est beaucoup plus pour accompagner les enfants, par exemple, pendant les grandes vacances, quand on rentre, il y a souvent le patriarche qui utilise le chasse-mouche. Le chasse-mouche, autant pour moi, il trempe dans l'eau et puis il véhicule de paroles positives, voyager bien, des trucs de ce genre. Donc ça se fait partout et après ça dépend de chaque Sur le coup, tu tombes sur un bachelor camerounais, mais imagine-toi que tu tombes par exemple sur un Oui. bachelor sénégalais et qu'au Sénégal, on ne fait pas Oui. ce genre de pratique-là. Qu'est-ce que tu t'es dit en fait? Parce que sur le coup, tu ne connais pas qui est le bachelor. Donc tu as décidé ça sans toutefois connaître qui est le bachelor, tu as décidé de venir avec et c'est tout quoi. Voilà, c'est vrai que quand le monde décide de faire cette entrée, on n'a pas d'appréhension. On se dit qu'on est en Ouais. Afrique et que le message va vite passer, que ça sera même une très belle Ouais. chose. Donc au départ, on n'a pas d'appréhension. Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte que ça partait dans tous les Voilà. sens, ça prêtait à controverse. Ça avait pris une certaine connotation. Donc les gens pouvaient se dire que c'est spirituel, que peut-être je suis
venu attacher le bachelor, bah, c'est, des trucs c'est de comment ce genre. C'est plus tard, en fait. Mm. C'est plus tard que j'ai fait le lien. Mais moi, au départ, c'était sans arrière-pensée. C'était normal parce que nous sommes en Afrique, on fait ça partout. Mm. C'est comme ça que je voyais les choses. Enfin, qu'on voyait les choses. Ok. Et quand tu rencontres le bachelor, c'est ton, tu te dis, qu'est-ce que tu ressens? Déjà, c'est un bon pain et tout, quoi. Non, c'est clair que Clyde, c'est un très bel homme. Mm. Déjà, côté. J'ai un gros sourire, non, les amis. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé le Bachelor hier, vous pouvez juste regarder sur MyCanal. MyCanal, pour l'avoir, vous prenez votre téléphone, vous allez sur App Store pour ceux qui ont Android. Et sur, c'est App Store, attends, App Store c'est pour ceux qui ont iPhone et sur Play Store pour ceux qui ont Android, vous téléchargez MyCanal, c'est juste là. Ensuite, vous créez votre compte. Avec ça, vous pouvez regarder le Bachelor à tout moment, où que vous soyez. D'accord? Et voilà. On a eu un problème avec Angélique une fois de plus et. J'attends juste 5 minutes, si ça en serait, ou le pas, je vais devoir arrêter le direct. Je vous aime fort, hein? Là, elle parle comme une journaliste. Il faut mettre les commentaires, pardon, poser la question. Je vais répondre. Poser la question. Aïe, aïe. Alors qu'on a beaucoup de questions pour Angélique, là. Alors, je suis juste là, je regarde le Bachelor. Vous ne posez pas la question en fait, je vois pas les questions. Oh, yeah. Posez-moi les questions s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est encore passé avec Angélique? On attend un peu Angélique parce que j'ai fini avec les autres filles et c'est tout. Vous aimeriez poser quoi comme question à Angélique? Posez un peu les questions en commentaire et je vais voir. Allez-y. Je ne vois pas les écrits. On veut savoir, on veut avoir le direct ici, les samedis, pour regarder. Vraiment, vous voulez regarder le Bachelor dans les directs? Je ne sais pas, hein. Je vais voir si c'est possible. Mais non, vous pouvez télécharger MyCanal aussi. Si vous regardez ici, qui va regarder la télé? C'est ça en fait. Si vous regardez ici, qui va regarder la télé? Vous n'avez, ceux qui ont téléchargé l'application, dites-moi, vous avez déjà téléchargé l'application? Ceux qui n'ont pas l'application, dites-moi. Je vérifie si Angélique est là. Ok, elle est là. Elle est là, on attend, elle arrive. On va aller vite à les questions. Angélique, qu'est-ce qui ne va pas avec ta connexion? J'ai reçu un coup de fil. Tu dois, je sais pas, tu dois prévenir les gens. Moi, tu vois, je fais tout pour faire les directs avec ce téléphone parce que je sais que je peux recevoir les appels comme ça ne perturbe pas. Ou tu préviens déjà que tu es en direct, faut pas qu'on te dérange. Tu vois, ok. Non, t'inquiète pas. J'ai patienté parce que je pouvais très bien être, étant donné que je suis off. Merci. Vas-y, dis-moi tout. Donc, tu disais ton style. Donc, on va continuer dans les questions. Quand tu rencontres les filles, tu vois les filles qui t'attaquent à cause de ta tenue.
Barbara et tout, quand on te dit, quand elle te dit, regarde ta tenue, Wakanda, voilà. Qu'est-ce que je te dis à ce moment-là? En vérité, je ne savais même pas qu'elle avait. C'est au confessionnal que je constate que elle m'avait traité de Wakanda, qu'elle avait dit que je ne méritais pas participer à l'aventure parce que je n'apporterais rien de plus. Donc j'ai été très surprise de l'entendre dire ça. On avait déjà eu un petit accrochage en off. Ouais. Seulement à cause de ça qu'on ne s'appréciait pas mutuellement. Mais voilà, du coup, Et quand c'était c'était quoi? Pourquoi vous vous êtes disputé en off? bah, on s'est juste pas comprise. C'est comme je disais tantôt, au départ, je la trouvais très impolie. Voilà. Donc, elle a manqué à son comportement. Elle a eu des comportements que je n'appréciais pas. Et c'est justement pour ça que j'avais déjà pris une certaine position. Et après, tu reçois la rose durant la soirée. Tu reçois une des roses qui te permettent de continuer l'aventure. Qu'est-ce que tu te dis? Quand même terrible, hein? Tu te moques de quelqu'un, tu te moques de son look, tu te moques voilà, de ses cheveux. Son véritable problème, c'était mes cheveux, c'était ma tenue. Et à quoi? Je m'habille comme je veux, non? C'est pas le truc en fait. Donc quand je reçois la rose, pour moi, c'est comme une sorte de claque que je lui administrais de manière indirecte. Ouais. Voilà, elle a eu sa claque. Point final, c'est bien fait pour toi. Ouais. Et tu continues l'aventure. Alors, tu n'as pas de date. Tu vois toutes les filles aller en date. Qu'est-ce que tu te dis? Naturellement, je suis très gênée. Je me demande Ouais. qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je suis toujours retenue. Je ne suis même pas calculée par tonton Kai. Mais c'est quoi? Je suis toujours dans l'aventure. Je ne sais pas, en fait. Mais Et après, tu du reçois. coup. Mais après, tu reçois la rose coup de cœur. Tu t'es dit quoi Je reçois la rose à coup de ce moment-là? Tu penses que bon, tu penses que tu as reçu la rose parce que tu t'es victimisé et parce que tu t'es pas. Parce que pour moi, tu es allé te placer devant un homme, tu lui as dit, j'ai deux enfants, ne pense pas que j'ai pas de valeur, j'ai de la valeur. Est-ce que tu penses pas que tu te donnais pas assez de la valeur? Tu te disais qu'il. En fait, tu pensais à la place de Clive. Te dis non, ne pense pas que moi, alors que toi-même, quand tu regardes encore à la télé, tu te dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Je t'ai pas posé cette question-là. Quand je reçois la rose coup de cœur, je suis naturellement contente et je me dis que Oui. je la mérite amplement. Mais Même les bon, filles commencent à avoir peur de toi. pour ce qui est de mon histoire, je réussis à avoir 2 minutes avec lui. Je ne sais pas trop de quoi est-ce qu'on va parler. Si ce n'est pas d'échanger pour mieux se connaître. Il me parle de lui, je lui parle de moi. Si je cache. Il saura quand. Je ne sais pas quand est-ce que je vais partir de l'aventure. Surtout que je n'ai pas encore eu un Non, tête-à-tête tu n'as où pas je peux besoin lui de cacher parler. parce que Voilà. tu n'as pas besoin de cacher parce que c'est une fierté. Mais c'est la façon que tu dis. Si tu penses que moi, pourtant tu en fait tu pensais à sa place. Tu n'aurais Voilà. pas mieux fait En de te fait, dire que. merci de poser cette Ouais. question. Je lui ai dit de ne pas me sous-estimer parce que je l'entendais dire à chaque fois que je suis très, très timide. Ah Très, ouais, je vois. très renfermée. Donc, j'essayais de lui faire comprendre que je ne suis Oui, je pas comme suis. ça Voilà. gratuitement. Je ne suis pas de manière fortuite. C'est que, en fait, j'ai des attitudes ponctuelles, des attitudes circonstancielles, comme j'aime souvent le dire. Quand il faut s'amuser, je le fais à fond. Quand il faut être sérieuse, je le suis également. Quand il faut être grincheuse, je suis un être humain, je ne suis pas parfaite. Donc, je le fais également. Qui a encore appelé Angélique? Alors, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Voici Stéphanelle qui suis là. Je suis en train de faire un live ici. Et je pense qu'elle a reçu un appel. Derrière moi, le bachelor. Ouvert, regardez. Et on attend Lita. Posez-moi les questions, s'il vous plaît.
Posez-moi les questions, les amis. Je vais répondre. Je suis là. Moi, j'ai apprécié Mission Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas vu les autres filles. Juste pendant la cérémonie de la rose, j'aurais aimé les voir un peu plus, mais bon. Allez-y, je vous écoute. On va attendre 5 minutes parce qu'il faut qu'on finisse avec Angélique. Tapotez, s'il vous plaît, et partagez. Les 21 on va voir si elle est là. Elle n'est pas là. Je pense que quand elle va venir, on va plus durer. Tapotez, mes amis. que tu ne vois pas que c'est la production. Les amis, vous n'avez pas à vous justifier. Ici, on fait un live pour parler avec les bachelorettes de la saison 2. Ceux qui ne sont pas fiers d'être là, non, ne vous discutez pas en commentaire avec eux. On s'en fout et on fait le live, on le fait bien. On ne pose pas des questions gênantes. On pose de bonnes questions et on avance tout simplement. Ici, on est gentil, c'est une Stéphanelle tranquille, calme, qui ne va pas mal parler aux gens, qui... Voilà. Donc, ne vous énervez pas. On travaille, on avance, on ne gère pas. Ceux qui sont fiers d'être là, vous partagez, vous tapotez, on pose les questions. Quand on finit, on se retrouve le dimanche qui suit, ensemble, toujours comme ça. Ma team, mes gens, c'est le plus important. Ok, encore, t'inquiète pas, on va speeder. Donc, tu reçois la rose, je suis très contente. Voilà. Ensuite, maintenant. Tu vas quel est ton meilleur moment de l'émission? C'est quand je décroche mon date après le test de compatibilité. C'est le meilleur moment que j'ai kiffé. Et aussi mon entrée. J'ai adoré mon entrée, franchement, au-delà de tout, de toutes les attentes. Voilà, j'étais vraiment très contente. Ouais, et c'est quoi ton pire moment? Même si tu as vécu hors caméra, tu peux nous dire. Hors caméra, non. Devant les caméras, alors? Devant les caméras, disons, c'est ma déception. J'ai été déçue quand j'ai, voilà, quand Clive m'a chassée. Ouais. Il m'a chassée Tu étais déjà amoureuse? Tu de étais déjà amoureuse? normal, non? Ouais, j'étais déjà amoureuse. Je développais déjà quelque chose à son égard. Voilà, les quelques minutes que j'avais passées avec lui, je me sentais bien. Et quand tu gagnes ton date, tu te dis, ah, que j'ai gagné mon moment. Tu penses pas que tu es allé un peu trop fort? Il a demandé que tu ouvres la porte, mais tu as cassé la porte en fait. Tu ne penses pas? Oh, Stéphane, c'est à passer, non? C'est comment? Le souci, c'est que c'est déjà passé, mais ça fait partie de ton aventure et les gens ont envie de te poser cette question-là depuis, y compris moi. Raison pour laquelle je te demande. Mon avis ne compte absolument pas. Le plus important, c'est toi et rien que toi. Dis-toi que je suis devant pour te poser les questions, c'est tout. Et je ne vais pas te poser les questions pour te faire du mal. Donc, c'est un moment que tu as vécu et qui a beaucoup fait parler sur la toile. Je ne peux pas te faire monter dans un direct et ne pas te poser cette question-là, tu vois? Donc dis-toi que ça va, respire et dis-nous. Stéphanelle, j'avais juste profité de mon moment. Il C'est m'avait, normal. il se plaignait trop du fait que j'étais trop dans ma carapace. Donc c'était le seul moment pour moi, voilà, de lui montrer un ensemble de choses parce que je ne savais pas comment demain allait se. Je ne savais pas si j'allais avoir d'autres dates. Je voulais profiter de l'instant et pour moi c'était sans arrière-pensée. Sauf que voilà,
Il a mal pris la chose. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Oh, il a mal pris? S'il avait bien pris, je serais restée. Je serais restée s'il avait bien pris, Stéphanelle. Je pense qu'il a mal pris. Donc, c'est ça, c'est la seule chose qui m'avait gênée. Moi, je ne voyais pas à l'entame de mon mes agissements que j'avais, que voilà, que j'avais, en j'avais fait, mal pris. Tu n'as pas, je ne sais pas comment t'expliquer. Tu vois, tu es le style de fille à ne pas vouloir faire trop. Tu vois, parce que tu as ce naturel-là. Quand on te voit, on dit, ça c'est la typique femme africaine avec ses beaux cheveux. C'est vrai que tu ne les as pas assez mis en valeur. Je voulais te dire ça. Parce que tu les mettais de la mauvaise façon. Tu aurais pu vraiment faire des coiffures de malade avec si Dieu m'avait donné ça. Mais je pense que tu as trop fait sans t'en rendre compte. Tu vois, tu n'aurais pas dû totalement te changer parce que ce n'était plus toi. Ça ne paraissait absolument pas naturel. On n'a pas reconnu cette angélique, cette femme sage qu'on a connue, tu vois. C'est cela que ça a fait parler. C'est pour ça qu'on te pose les questions dessus. C'est pas pour te faire du mal. C'est pour te dire que le jour qu'un gars va encore te dire que casse la peur, ouvre la porte, maman, ouvre, ne casse plus. C'est tout. C'est tout, ne t'inquiète pas. Allô, tu es là? Les amis, je souffre avec Angélico dans le direct. Hey. Je pense que je vais arrêter là. On a passé un bon moment. J'ai bien envie qu'elle vienne donner ses comptes. Parce qu'il faut aussi qu'elle nous dise où on va la suivre. Là, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Mettez en commentaire, on arrête ou on continue, on attend Angélique encore 2 ou 3 minutes là. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on attende un peu Angélique. Je sais que vous voulez trop voir ma gueule, mais je suis fatiguée en fait. Oh, dites en commentaire, on attend Angélique ou pas? Dites-moi en commentaire. Allez-y. Dites-moi en commentaire. Regardez le bas cheveux à la télé, c'est bien. Jacques, regardez, c'est bien. Oh, c'est trop bien. Voilà, on parlait de quoi? On parlait des personnes qui mettent des mauvais commentaires. Pas de mauvais commentaires, ici c'est le respect. Je pense que vous avez bien constaté que je suis sur la page officielle de Bachelor qui est certifiée. Si je suis dessus, c'est bien pour une raison, c'est pour vous faire ce débriefing de chaque samedi, chaque dimanche, pour parler de l'émission de samedi, qui passe d'ailleurs à 19h30 heure d'Abidjan sur Canal Plus Pop. Il y a 2 Canal Plus Pop, sur l'autre ça passe à 20h30, donc il y a 2 si vous ratez. Et heure du Cameroun, c'est 20h30 et 21h30, donc vous pouvez regarder dessus. Je crois que c'est 20h30 et 20h, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, la première, c'est 19h30 et 20h30 au Cameroun. Donc vous pouvez regarder. Pour ceux qui ne peuvent pas, qui sont allés à l'étranger, vous avez MyCanal. Avec MyCanal, vous pouvez tout regarder. Que ce soit le cœur des femmes, Burger Quiz, vous pouvez tout regarder. Donc, vous n'allez pas me dire que non, Stéphanie. Non, ne me dites pas ça. Donc, télécharger. On va regarder si elle est là. Ok, elle est là. On va finir avec Angélique. Et après, on se dit à dimanche. À dimanche. Ok. Angélique. Hé, hey, Angélique, tu me fais souffrir. Toujours le mauvais moment pour m'appeler. Je sais pas si tu me fais souffrir. Vraiment, c'est parce que je veux que tu dises où on doit te suivre. C'est pour cela qu'il faut ta pub. C'est que je partais là. Je dis, c'est parce que je veux que tu vas nous dire où on doit te suivre. Parce qu'il faut bien que les gens aillent te suivre quelque part. Bon, je disais, après, maintenant, on décide, Mazarine qui choisit vos tenues. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu penses qu'elle a choisi la bonne tenue pour toi, Mazarine? Mazarine, ah, d'accord. Ah, moi, je n'avais pas de problème, c'était fair play. Et la coiffure? Ça,
ça rentrait dans mon cadre, tout ce qui est habitude, voilà, ouais. Ça m'allait. Tu avais déjà prévu faire ta coiffure là? Non. Ah, c'est à cause de la tenue? Justement. C'est à cause de la tenue? Oui, à cause de la tenue justement. Mais ta coiffure, elle était magnifique. Hein. Ça me rappelle quand on était au collège et au primaire. Nos mamans nous faisaient souvent cette coiffure-là. Le fil, c'est le fil, non? Oui, oui. Voilà, donc je ne sais pas si tu connais ça. Mais par contre, tu as mis des lunettes. Je n'ai pas compris. C'est ma Zarine qui m'avait donné les lunettes, là. Je te jure, j'ai dit, je ne peux pas passer ici sans faire une fashion police parce que j'étais choquée. Je disais, mais attendez. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec son look? Non, c'était ma Zara. Oui, en fait. Ah, oui, d'accord, je comprends. Nous avions des lunettes. Hein. Ok. C'est nous avions toutes des lunettes, je te promets. D'accord. Et qu'est-ce que l'aventure t'a apporté de plus comme opportunité? Et les commentaires négatifs, comment tu fais pour t'en sortir? Est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Dis-nous un peu en gros, quoi. Pour ce qui est des mauvais commentaires, j'essaie de trier. Donc, je fais un filtre, je choisis des commentaires qui sont avantageux pour moi, pour avoir la paix. Et tous les mauvais commentaires, pour moi, ça n'existe pas. Je ne fais pas attention à tout ça, justement. Ouais. Et voilà, l'aventure m'a apporté de très belles choses. J'ai rencontré de belles personnes. Toutes les filles que j'ai rencontrées dans l'aventure, c'était justement grâce à l'émission, et ça fait partie des plus belles choses que j'ai déjà que j'ai rencontrées en fait. Et maintenant, et je ne veux pas te couper, mais tu as parlé des filles. Et dans le direct avec Arnold, tu as clairement dit que tu t'entendais absolument pas avec Johanna, que tu l'aimais pas, qu'elle était hypocrite. Mais après, Johanna a mis une vidéo de vous qui prêtait toi à confusion là. Bon, écoute, moi je ne voulais même pas trop parler de Johanna parce que en fait, elle a un mauvais fond. Si elle a envie de se faire plaisir avec mon nom, qu'elle le fasse. C'est quelqu'un qui a juste un mauvais fond. Elle n'a pas de personnalité. Je parle d'elle sur TikTok parce que voilà, elle m'a mentionné dans le direct. Elle dit un coup clair donne la rose au coup de cœur. Tu as 2 enfants, tu as 3 enfants. Ça, c'est me parler de moi directement. Maintenant, c'est normal qu'à un moment donné, bon, c'est normal qu'elle parle et que moi je reste tranquille. Non, non. J'ai eu mal et c'était ma façon à moi de répliquer. Ouais. Quand Anon me pose des questions, je dis tout simplement qu'elle a un mauvais fond et sans plus. Là, maintenant, elle récupère les vidéos juste pour pouvoir me discréditer aux yeux de tout le monde. Mais qu'elle dit aussi qui avait fait en sorte qu'elle boive le champagne, qu'elle sorte. Il faut qu'elle dise aussi ça. Parce que ça, c'est un détail qu'elle ne veut pas montrer. Elle veut seulement montrer aux gens, elle veut montrer des vidéos où elle et moi, on se faisait des accolades. C'est juste ça qui l'intéresse, pour faire passer pour, voilà, pour me faire passer pour la mauvaise personne. Il faut aussi qu'elle dise que c'est grâce à moi qu'elle était sortie. C'est grâce à moi qu'elle... Bon là, je pense que j'ai eu ma dose de patience. Donc les amis, je ne peux plus attendre Angélique, je vais devoir couper le live. Je vous adore, je vous aime, je vous dis à dimanche. Avant, regardons d'abord le Bachelor samedi. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder, qui sont à l'étranger, il y a My Canal. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très 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 bientôt. J'espère que vous avez aimé passer ce moment avec moi, moi aussi. Je dois aller me faire à manger. Bisous. Je vous aime.